T'imagines qu'ils jettent tout ça au fond. Mais ouais, c'est ça. Ou alors, ce qu'ils feraient, c'est plein et qu'ils voudraient mettre moins cher. Ça prouve vraiment que tout le monde peut manger en fait sur cette terre. Donc là, on est occupé à trier toutes les fraises invendues qu'on a été trouvées dans les magasins. Et on voit qu'il y en a plein qui sont encore bonnes à manger. C'est choquant parce qu'il y en a plein qui meurent de faim dans le monde. Et donc, de voir qu'il y a tout ça qui peut être, qui est jeté, etc. Je trouve ça incroyable, en fait. Je trouve ça insensé. En fait, on est là dans le cadre du cours de sciences économiques. Donc, Good Planet nous a proposé un projet pour le gaspillage. Après, je pense que ça nous a tous un peu interloqué parce qu'on voit toutes les caisses de légumes qu'on a reçues et on se dit que si tout ça est destiné à la poubelle, c'est quand même un peu étrange parce qu'il y a quand même beaucoup de légumes qui sont beaux, qui sont encore mangeables et tout ça. Ça fait un peu réfléchir sur le gaspillage alimentaire et aussi sur le manque de nourriture de certains, enfin la famine des fois de certains pays et ça nous fait réfléchir. Est-ce qu'on pourrait changer le mode de fonctionnement des magasins pour dire que ouais non ce légume il est pas bon tout ça? Je me demande est-ce que ce serait possible comment on pourrait y arriver? Si le consommateur achetait, choisissait ce qu'il voulait acheter, ce serait plus simple et on vendrait autre chose dans les magasins je pense. Le meilleur truc au monde, les gars.